Dans Faites Entrer, l'invité ce jeudi, une interview exclusive de l'ex-international marocain et aujourd'hui adjoint d'Hervé Renard, Mustapha Hajji. Il nous a accordé une interview ce matin à Marrakech, à la veille de son départ pour le Luxembourg. Il part en effet une dizaine de jours au chevet de sa mère, hospitalisée pour une intervention des yeux, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Dans cette interview, au micro de Cédric Benzina, il nous dresse le bilan de la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde, du formidable soutien de tous les Marocain. Il nous parle également de sa relation avec l'entraîneur de l'équipe nationale et dément catégoriquement toutes les rumeurs qui ont pu circuler ces derniers jours. Il parle même, vous allez l'entendre dans un instant, d'Hervé Renard comme d'un grand frère, Mustapha Hajji. Monsieur Hajji, quel est votre bilan de la participation des 11 nationales à la Coupe du Monde en Russie ? Un bilan positif, avec un petit goût amer, je pense. Parce que quoi qu'on en dise, c'est toujours difficile de partir malgré la plus belle des prestations du 11 marocain dans de l'équipe nationale. Donc ce goût amer, je vais le traduire par ce premier match contre l'Iran au niveau sportif. Parce que je sais que ce match, si on pourrait le jouer 10 fois, on le gagnerait 9 fois. Donc 9 fois sur 10. Mais voilà, donc on en tire parce que ça se corrige. Ça se corrige, on peut toujours améliorer les choses, donc ça reste quand même un positif. Mais ce qui est rageant, ce qui est frustrant et dramatique, c'est ces deux matchs contre le Portugal et l'Espagne. La prestation de l'équipe qui a un grand cœur, qui est une grande équipe, qui nous a fait vibrer à tous Marocains. Donc je pense que ces erreurs d'arbitrage, le VAR, donc il n'a pas été à notre faveur en aucun cas. Donc on en tire une conclusion négative parce que, comme j'ai dit, on n'a pas été éliminé au niveau footballistique. On a été éliminé par un moment donné, quelque chose qui a été mis en place il y a très peu de temps. Et on en a subi les conséquences et encore ce but même contre l'Espagne à la 93e minute quand on menait au score. Donc une faute d'arbitrage à ce niveau-là, c'est dramatique pour nous, c'est frustrant. Mais un bilan positif parce que le football que l'équipe nationale, notre équipe a produit a été exceptionnel, a été extraordinaire. Et voilà, donc au niveau sportif, très 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 encourageant pour la suite. Avez-vous des regrets ? Oui, non, il y a toujours des regrets, parce qu'on veut toujours mieux faire. On veut toujours mieux faire et... C'est notre passion, c'est notre pays, c'est notre devoir de toujours essayer de représenter notre pays, de lever le drapeau au plus haut. Donc on est toujours objectif, on est toujours optimiste de faire mieux. Donc oui, un petit regret parce que je sais qu'on aurait pu mieux faire s'il y a eu le destin qui aurait été à notre faveur. Et puis ces erreurs d'arbitrage encore une fois et le VAR. Qui ne nous ont pas aidés, qui nous ont pénalisés à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, peut-être en y pensant, s'il n'y avait pas ce VAR, peut-être qu'on serait passé ce premier tour. Le public marocain vous a suivi en grand nombre. Si vous deviez vous adresser à lui, quel message, que direz-vous ? Ben, une grande, grande, grande fierté. Une grande fierté, notamment... Après le match, parce que le public a été nombreux, que ce soit ici au pays ou à l'étranger, dans le monde entier, tout Marocain était focalisé sur l'équipe nationale et son soutien, le soutien de tout Marocain a été extraordinaire. Même après le match contre l'Iran, on a senti un réel soutien et un réel amour que ce public nous a donné extraordinaire. Je le remercie parce qu'on en a besoin, on en avait vraiment besoin. Et j'espère en tout cas que cette équipe leur a donné un petit peu de ce qu'ils ont donné au football marocain. Parce que venir en Russie avoir 42 000 personnes, donc je crois qu'il y a, je ne sais pas combien ils sont partis du Maroc même et à l'étranger. Donc que ce soit tous les Marocains du monde soutiennent cette équipe, soutiennent leur pays parce que c'est une fierté. Et je le remercie de tout cœur parce que ça nous est allé des rois au cœur. On a été très touchés avec beaucoup de sacrifices pour arriver en Russie pour supporter l'équipe. Et c'était un minimum qu'on devait
qu'on devait faire en Russie pour leur rendre un petit peu d'amour et de soutien qu'ils nous ont donné. Mais je reste confiant parce qu'il est certain que cette équipe donnera encore beaucoup d'amour et beaucoup de frissons en public parce qu'ils nous ont donné énormément. Je ne le remercierai jamais assez. Et que ce soit pour les joueurs ou même pour nous, le staff technique, le staff médical. Donc les gens étaient vraiment, je ne sais pas, étaient comme un deuxième homme sur le terrain, mais même au-delà. Et ils ont été très exemplaires. Hein. Le public marocain en Russie, c'était les stars de ce mondial. Honnêtement, parce que je le dis de tout cœur, nous, on côtoie les médias à l'étranger, donc qui nous appellent souvent, et qui nous ont dit quel public formidable, que ce soit sur le niveau support, au niveau du quotidien, parce qu'ils ont été exemplaires, même dans toutes les villes où ils sont passés, ils ont laissé une image extraordinaire. Donc pour notre public marocain, je voulais tenir à leur dire, certes, que c'est le meilleur ambassadeur de cette Coupe du Monde 2018. Merci à eux. Monsieur Hajji, des rumeurs ont circulé sur votre relation avec le coach Hervé Renard. Qu'en est-il exactement? Bah, vous savez, on ne pourra jamais parler au nom d'Hervé Renard ou à mon nom. Donc, moi, ma relation avec Hervé Renard, elle va au-delà de notre vie professionnelle. Avant tout, c'est un ami, c'est un grand frère, parce que c'est notre manière de s'exprimer dans le monde du football. C'est un grand frère et je suis à son écoute, je suis à sa disposition. Et aujourd'hui, bon, après les rumeurs, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de s'exprimer. Ce qui est dangereux, c'est les réseaux sociaux. Souvent, les gens, il faut toujours attendre que les gens s'expriment eux-mêmes pour avoir une opinion. Mais notre relation, que ce soit avec Hervé Renard, Patrice Baumel ou dans le staff, elle est exceptionnelle et exemplaire. Et en aucun cas aujourd'hui, en dehors du football ou dans le football, c'est la seule personne peut-être où je pourrais avoir des problèmes, c'est Hervé Renard. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir est très très positif parce que cette équipe a du cœur. C'est une grande équipe avec énormément de potentiel et avec certaines jeunesses avec beaucoup de talent. Et je sais qu'aujourd'hui, on a le patron qui est M. Lerja, qui est conscient de tout ça. Et je sais qu'on ne va pas faire les erreurs du passé. Donc, de pouvoir continuer à épauler cette génération, parce qu'il y a beaucoup de générations qui sont passées à côté de leur destin, qui était le leur et qui pouvaient faire... je parle par exemple de 2004, ça a été une génération gâchée. Donc aujourd'hui, on a un monsieur qui est à la tête du football marocain, qui est conscient de tout ça, qui est très professionnel, qui est passionné. Donc on n'a pas le droit de lâcher maintenant, parce qu'on est revenu de très loin. Et aujourd'hui, le Maroc, l'équipe nationale, ne peut pas être absente des grands rendez-vous comme le Mondial pendant 20 ans. Donc après, c'est à nous de construire. Si... vous savez, il y a un bilan qui est fait après chaque grande compétition. Donc il y aura un tour de table. Il va falloir continuer à travailler dans le même état d'esprit et apporter un peu plus à cette équipe, parce que je sais qu'elle a un large avenir. Et Inch'Allah, j'espère de tout cœur qu'ils vont continuer à garder ce même état d'esprit, à avoir cette volonté du cœur pour satisfaire l'attente de... voire 40 millions de personnes. Donc je suis confiant et je suis positif, parce que je sais qu'il y a un gros potentiel et tout le monde a envie. Et la plus grosse satisfaction, encore une fois, c'est de tout ça, c'est de voir dans chaque visage de chaque citoyen marocain ce bonheur et cette satisfaction que cette équipe leur a donné durant pratiquement 2 semaines pendant le Mondial. Et nous, on ne peut pas gâcher tout ça. Donc, je suis confiant et je suis positif. Inch'Allah et qu'on le fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, c'était l'interview réalisée ce matin à Marrakech par notre collègue Seddiq Benzina. Interview à retrouver en podcast sur radio2m.ma, bien sûr, et également sur notre page Facebook.